Bonjour les amis, comme vous pouvez voir le temps, il pleut pas, mais bon, c'est le brouillard comme je vous ai quitté hier soir. Hein. Voilà, on voit pas la mer. Du moment que je vois les trouvailles. Et ici dans ce trou, on commence la sortie avec 20 centimes d'euros. Je suis avec le Deus Oryx. Mais c'est le Deus qui tourne. Pourquoi? Parce que l'Oryx, j'ai pas le casque, et le casque du Deus apparemment ne s'appaire pas avec le casque. L'Oryx ne s'appaire pas avec le casque du Deus. Donc, eh ben, je tourne là. Donc, quoi que je pourrais tourner qu'avec l'Oryx, de toute façon, sans casque, il n'y a personne à cette heure-ci. Ben, c'est pour les petits sons, donc voilà. Allez, nouvelle trouvaille. Apparemment, c'est dans la gamate. Et c'est... Ah, voilà. C'est du centime. J'ai aperçu. Voilà, 10 centimes d'euros. Allez, avec une main. C'est pas marrant. Bien par là. C'est... Non, 20 centimes d'euros. J'ai enlevé les lunettes et je vois plus rien avec ce brouillard. Ça me fait de la condensation sur les carreaux, donc voilà. Je vois la pièce plus petite. Salut les potos! Allez, 20 centimes d'euros étaient là. J'arrive ici. Petite 5 centimes de nos anciens francs. J'ai trouvé un truc qui m'intrigue. C'est ça. C'est trop crochu pour être un bout de triandine. C'est un peu la forme d'un truc très très vieux qui est cassé là. Et je sais pas ce que ça pourrait être. C'est la couleur un peu comme sur une fibule, un truc dans ce genre là, mais je veux pas m'avancer. Je vais garder la poche. Je verrai ça plus tard. À moins que quelqu'un puisse me dire ce que lui en pense. Bon, j'ai même pas fait un pas. Là, le trou, on peut voir encore le petit bout là que je vous ai montré. Et juste là, quasiment la fleur de sable, hein, j'ai eu besoin de faire qu'un coup de pelle. 10 centimes d'euros. Bon, on va quadriller ce petit coin. Il y a l'air d'avoir quelques trouvailles. Allez, je crois que j'ai retrouvé la pièce aux 5 centimes. Encore une. C'est la deuxième pièce de 5 centimes de francs. Bon, et ben vous rappelez de la dernière vidéo que j'ai postée. Et ben je vous montre sable sec. T'es pieds nus. T'es foutu. Un bon clou en U, bien rouillé. Garantie tétanos assuré, hôpital, vacances foutues, vacances j'en peux plus, et ouais c'est ça, et donc mettez quand même des chaussures de plage, je vous le conseille, même si vous préférez sentir le sable sous les pieds. Nouvelle trouvaille, elle se trouve in situ. Alors in situ, ça veut dire en surface, hein, et où est-ce que vous la voyez? Vous ne la voyez pas? Pourtant ça brille. Hein, ah, j'entends dans le casque petite voix qui crie. Si, si, je vois, je vois. Bah oui, elle est voyante, elle est là. Hop, toute neuve. 10 centimes d'euros. Ouais. On continue. Alors, avant, je vais vous parler d'une chaîne. Si vous voulez aller voir. Il se lance depuis pas longtemps dans la vidéo. Il a un équinoxe et donc il vous montre un peu les réglages et tout ça. Il parle de l'équinoxe. Il s'appelle Perceval 38. Voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, faire monter un peu ses abonnés. Et puis surtout, il adore qu'on lui dise après
ce qu'on a bien pu penser de ce qu'il a pu faire comme vidéo. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir le partage. Et puis, bah, je vous en remercie d'avance. Allez, en attendant, on continue. Alors, dans ce trou, au bout de mon pouce, parce que je tiens la pelle, un son qui s'avère être plusieurs sons à la base, à la fin, parce que bon, au début, ça n'en était qu'un. Je creuse, je passe le disque à nouveau, ça sonne encore. Alors, je jette mon tas de sable dans le trou là et je passe le détecteur dans le trou. Donc, en fin de compte, dans l'appel, j'avais déjà une trouvaille. Et donc, dans le trou, le gros trou, j'ai jeté la petite pièce là qui paraît être une 10 centimes d'euros. Et puis la grosse à côté, tout encroûtée, dont on ne sait pas encore ce que c'est, dans ici. Mais ça sonne encore. Dans ce trou là, un son à 80 qui claquait, claquait, claquait. Et un euro tout rouillé. Je pense que la pièce que je pensais tout à l'heure, toute verte, ça doit être 2 euros, je pense. Alors, j'ai un son. Ouais, j'ai fait un bon tas. Et à chaque fois, ça se rebouche. Le sable est tellement fin. Ça redescend à chaque fois. Et un son à 85, 86. Vous voyez, ça redescend à chaque fois, c'est le problème. Alors peut-être que je creuse pour plus grand chose maintenant. Peut-être que c'est sorti. Voyons voir si ça sonne. Non, ça sonne plus. Donc c'est sorti. C'est là. Alors, on a affaire à quoi? Là, là. Non. Non, ça c'est le morceau d'alu. Est-ce que ça sonne encore? Ouais, c'est pas là. C'est là. Donc ça, tu vires. Oula, ça chante. Ça chante, mais ça saute. On va faire à quoi? Bah, c'est passé où? J'ai dû secouer trop fort. Ah, j'ai un truc sous les doigts. Oh! Une bagouze! Je sais pas, il y a un peu, ça brille un peu. Je sais pas si c'est de l'argent ou quoi. Il y a un triskel, c'est une bague bretonne. Il y a un triskel au milieu, magnifique. Même si c'est pas du machin super beau, putain, c'est brillant. On dirait que c'est de l'argent ou ça a été recouvert d'argent ou de l'argent de mauvaise qualité. À la base, je pense qu'elle était couleur argent. Allez, on verra bien une fois nettoyé, mais super. Une petite bagouze triskel. Si vous arrivez à voir ce focus de 2 balles, bon, j'essaie de vous faire une photo. Bon, vous arrivez à voir le triskel. Allez, on continue. Super. Alors, ce qui est bien sûr, vous la voyez, la lèvre là, elle était en surface. Hein. C'est pas moi qui l'ai cherché, elle était même dans l'autre sens, sur les côtés griffe accroche. Ce qui est bien, c'est qu'il ne réagit pas, pour ainsi dire, le Deus sur la capsule. Vous voyez, il faut vraiment insister pour qu'il ait un son. Mais sinon, je suis passé dessus. Vous voyez, non, mais foutre. Bon, à vue, là où vous pouvez voir là, derrière la touffe d'herbe, le sable qui est devenu sec en ramassant. Une pince pour les cheveux. Donc ça aurait pu sonner parce que il y a quand même un ressort. Mais bon, c'était à vue. Et puis, juste avant, j'ai une petite pelle.
Allez, nouvelle plage, cette fois on est en soirée. De toute façon, pour la détection, c'est soit le matin, soit le soir. Entre temps, il y a les serviettes. Et ici, premier son, 82, 20 centimes d'euros. Là, il y a une casquette, il y a un slip de bain. Et ici, 1 euro. Et voilà, c'est la preuve qu'il y a du monde qui est passé sur cette plage. Je pense que cette plage va être pas mal. Dans ce trou, à 75... 2 euros. Je suis avec toujours des housses, pas Oryx, je vous dis, problème de casque. Je sais bien, quelqu'un a demandé de pouvoir faire avec l'Oryx parce qu'il allait aller sur la plage avec pour voir ce que ça donne, lui dire ce que ça vaut. Je le ferai peut-être quand il n'y aura personne. Là, pour l'instant, il y a encore du monde qui circule. Parce qu'il faudra que je tourne sans casque. Allez, ici. 10 centimes, ici 10 centimes d'euros. Et nous allons avoir encore un joli coucher de soleil qui s'annonce. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le capturer à temps. Vu que d'un coup il descend très très vite et devient rougeoyant d'un coup. Il faut tomber sur le bon moment. Allez, 10 centimes d'euros étaient. Par là, et l'autre là, et ici, là, j'ai secoué l'appel, 2 euros, ah, ça monte vite aujourd'hui, ce soir, magnifique, a été très très fréquentée cette plage, il y en a d'autres qui sont fréquentées, juste derrière, mais à marée haute, il n'y a plus de plage, donc il faudrait la faire marée basse, si possible, si c'est mais disponible, si la marée sera descendue ou pas, d'ici là. Et là. Dans le trou, deux monnaies ensemble, 1,10€. Allez, je vous dis de faire le coucher de soleil. Ah, qui passe derrière le rocher, ça va très très vite. Je vous avais promis d'essayer de pouvoir vous le prendre. Et voilà, il est parti. Et là, juste avant de vous faire ça, 2€. Magnifique, elle est super cette plage. Je vous dirai pas où c'est. Allez, il est 22h07, vous pouvez voir. C'est encore jour. Ici, dans ce trou-là, 2€. Et j'ai encore un son ici. Voilà. Là, voilà. Encore 2€. En surface. Allez, on continue. Allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais peut-être le revenir faire celle-ci avec le Nox parce que le disque est plus gros. Allez, j'ai éteint. Là, j'ai discuté là il y a quelques minutes encore avec un gars qui voulait acheter un appareil, qui voulait se lancer dans la détection. Alors je lui ai dit bah d'aller contacter la maison de la détection. Pas là, mon copain là qui me fait chier. Alors il a dit qu'il allait contacter. Il me dit on n'est pas obligé de directement passer à la boutique. Je fais non, vous pouvez déjà les appeler. Demander conseil à Melvin Victorien. Vous verrez à la maison de détection. Ils ont de bons conseils. Donc bah il a dit qu'il allait appeler d'ici lundi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao. Alors, le bilan de cette deuxième partie. 12,60€, 20, 30, 40, 50, 60. Oui, c'est ça. 12,60€. Et une rondelle inox. Allez, cette fois, je vous laisse. Ciao.